Bonjour, voici une vidéo si vous êtes actuellement pris dans une émotion désagréable. Phobie, angoisse, état de choc, colère, jalousie. Il faut que vous soyez en ce moment même dans cette émotion indésirable. Vous allez devoir fermer les yeux, donc assurez-vous que vous êtes dans un environnement qui vous permet de ne pas être dérangé pendant 2 à 6 minutes et sans danger. Vérifiez que vous n'avez pas quelque chose de plus urgent à faire avant de prendre le temps de désactiver l'émotion qui vous envahit. Si vous avez un rendez-vous et que vous êtes déjà en retard, alors à ce moment-là, décalez ce rendez-vous pour être sûr d'avoir le temps nécessaire pour prendre soin de cette émotion envahissante. Prenez bien le temps de gérer toutes les urgences nécessaires avant de faire ce travail. Vous ne devez plus être en prise avec la situation. Par exemple, si vous avez un conflit violent avec une personne, cette personne ne doit pas être dans la pièce où vous vous trouvez. Éloignez les animaux qui seraient éventuellement dans la pièce. Bien. Maintenant, fermez les yeux. Et dites-moi ce qu'il se passe dans votre corps. Laissez évoluer vos sensations corporelles et laissez-les faire. Douleur, chaleur, cœur, sensation de tournis, etc. Ne faites rien pour soulager ni contrôler votre corps. Laissez évoluer vos sensations. Laissez évoluer. Laissez évoluer vos sensations corporelles. Continuez à attendre sans rien faire. Et laissez évoluer vos sensations corporelles. Laissez évoluer. S'il n'y a plus rien, ouvrez les yeux, sinon continuez à laisser évoluer vos sensations corporelles. Laissez évoluer. Laissez évoluer sans rien faire. Laissez évoluer. Vous pouvez ouvrir les yeux. Alors, si vous avez ressenti plusieurs sensations dans votre corps et qu'elles ont évolué, et puis ça s'est calmé, alors c'est parfait. Si vous vous sentez bien, c'est terminé. Pour ceux qui n'ont pas ressenti les choses évoluer, c'est que soit vous vous concentrez trop sur vos sensations. À ce moment-là, il faut juste les observer et ne rien faire de plus, sans se crisper. Soit vous cherchez à soulager ou à contrôler vos sensations corporelles. Ne cherchez pas à contrôler votre corps. Il sait ce qu'il a à faire. Bien sûr, ça peut être très désagréable. Mais ne cherchez pas à contrôler ce qui se passe dans votre corps. Soit enfin, c'est parce que vous êtes trop stimulé par la situation. Vous êtes trop en prise avec elle, vous n'arrivez pas à vous en détacher, vous avez peut-être des images qui vous reviennent, votre attention, votre cerveau est encore pris dans la situation. Et à ce moment-là, il faut que vous vous déplaciez, que vous trouviez un endroit où vous n'êtes plus en prise avec cette situation. Ou alors c'est que quelque chose vous empêche de prendre du temps pour vous, pour faire ce nettoyage. Si vous êtes en sécurité et que vous laissez faire, alors ça va bouger et se déplacer en vous tout seul. Il n'y a rien à faire. Si vous forcez les choses, ça va se bloquer à un moment. Et vous risquez de rester prisonnier dans cette émotion désagréable. Donc refaites la séance avec ce que je vous ai demandé de vérifier. Laissez faire les choses. Elles évoluent toutes seules à l'intérieur de votre corps, même si c'est très désagréable.
Faites rejouer la vidéo et je vous assure que vous libérerez définitivement de l'émotion qui vous envahit. À vous de jouer maintenant.